Métis. Je vois pas. Gros. Oui ou pas? Si je vous ai fait asseoir aujourd'hui, c'est parce que j'ai décidé de vous dire la vérité. Papa. C'est une vérité que j'ai gardée du plus profond de mon cœur. J'ai même décidé de mourir, de partir avec ça dans ma tombe. Mais aujourd'hui, je suis dépassé. Je vous aime tellement que je ne peux pas cacher cette vérité-là. Métis. Papa. En réalité, vous n'êtes pas mes enfants. Papa, je ne suis pas ton fils. Comment vous n'êtes pas notre père? Point d'interrogation. Je vous ai vu dans la rue. Vous n'avez que 3 ans. Et autant d'armatan. Vous étiez nus. Et lui, toi, tu étais même presque mourant. Hey. Papa, pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est pas Gros qui est mourant? Mais vous allez m'arrêter, ça, nous sommes quand même sérieux. Comment? Gros! Il voulait m'assassiner depuis. Une sérieuse fois. Je vous ai une fois appelé vous parler d'un truc comme ça. Je vous parle de quelque chose qui me vient du cœur. Excusez-nous, papa. Donc, comme je le disais, tout ce temps jusqu'à aujourd'hui, vous avez grandi. Vous n'avez jamais été mes enfants. Donc, sur ce, j'ai décidé que de vous laisser vous-même. Vous êtes des futurs aventuriers. Vous allez peut-être pouvoir trouver vos vrais parents. Donc vous allez quitter la maison et chercher vos parents. C'est pour votre bien. Ça va chauffer maintenant. Je t'ai dit que ce moment arrivait. Tu as dit. C'est pour ça que je te regardais depuis. J'ai dit ça. Papa. Papa, faut laisser. Vous avez inventé toute cette histoire. Mais moi, j'ai aimé. Vous jouez très bien. Vous avez très bien. Vous êtes un bon acteur. Papa. Quand moi-même j'ai vu que papa a acheté bien pour moi là, j'ai su que. Il veut nous chasser. Il veut nous chasser. C'est un piège. Papa! Donc, à cause de manger qu'on vous mange là, vous. Mais vous-même regardez, la dernière fois j'ai amené un sac de maïs. Et c'est à cause de maïs là, maïs. C'est fini dans combien de jours? C'est fini dans combien de jours? Le sac a fini en 8 jours. À combien un sac de. Moi je suis resté au Togo, vous savez. Le Togo, quand vous amenez un sac de maïs, ça peut faire au moins 2 mois pour toute une famille. Mais une semaine au Bénin ici, c'est déjà bon. Mais comment ça, c'est déjà bon? Et le sac de maïs, vous utilisez ça. Vous mangez à Boda, vous faites la pâte. Des fois, vous mangez le maïs tout cru. Votre lucette se déclenche chaque 2 heures, papa. Quelle lucette qui se déclenche chaque 2 heures? Vous allez chercher votre papa. Papa, ce qu'on va faire là, on va te laisser un peu d'espace. On ira chez, oui. On ira en vacances. Parce que là, on a senti qu'on t'a fatigué nutritionnellement. Donc, on va. Non, je vous promettais. Oui. Oui. On va partir et le temps que tu reprennes d'énergie et on va revenir. Oh, mais sinon, je vous aime. Non, mais vous savez, papa. Donc, vous partez pour combien d'années? On va faire une semaine chez Clara. Une semaine, c'est bon. Mais un gros, il faut parler à ton frère, non? Quoi? Comment ça vous allez faire les bonnes vacances? Ça fait un temps normal, c'est 5 ans ou 10 ans. Vous êtes 2, 5, 6, ça fait 10 ans. Oui, allez, 10 papa, ans. C'est pas en retraite, c'est vacances. On a dit vacances. Bon, c'est bon, on va signer un contrat. Comme ça, là, vous allez reconnaître officiellement que nous sommes vos enfants. Comme ça, là, plus de tenue. Parce qu'on peut revenir de chez grand-mère. Dans le contrat, il faut que vous qu'on s'entende sur un sac de maïs pour 1 mois. Ok, on verra. On va voir ça. C'est gourmandise. On va voir ça. Papa, quand j'ai vu bien, maintenant, j'ai vu ça. Ça, c'est un piège. Mais il joue bien, oh. Merci beaucoup. Faut lancer, cause on a la partie, c'est tant en même temps. Vous partez en même temps. Oui, on va partir. On va partir. Tu as le code promo Gozem là. Oui, c'est ça. On va mettre ça. Et... Bon. Là, je vais payer. Pour la bière, je vais payer. Allez-y. Ça va pas. C'est nous qui allons payer. Non, on ne veut pas payer. Dis-donc à la buvette que je vais prendre le buvette. Bon. Donc, on est d'accord. 5 ans. Une semaine, papa.